Bonjour tout le monde. Bonjour également au replay. Alors le dernier live que j'ai fait, c'était en duo avec Charlotte sur son compte. Donc ça fait longtemps que je n'en ai pas organisé moi. J'espère que tout est ok. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à me dire si on me voit bien, si on m'entend bien au niveau de la connexion, parce que je sais que ça a tendance à beaucoup bugger ces derniers temps Instagram pour les lives. Bonjour tout le monde. Donc la thématique de ce live, vous le savez sûrement, c'est donc le lancement d'activité quand on est encore en formation de naturopathie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes concernées sur mon compte qui vous aident beaucoup à être en formation actuellement ou à penser entrer en formation très prochainement. Donc ça vous concerne pour peut-être dans quelques mois. Et on me pose beaucoup, beaucoup de questions sur le fait que moi, je me suis lancée avant d'avoir terminé ma formation au Sénato et je voulais vraiment vous en parler plus en détail parce que je sais que vous êtes en demande d'informations à ce sujet. N'hésitez pas, en attendant que des personnes arrivent sur le live, bonjour, à me dire où est-ce que vous en êtes dans votre projet, si effectivement vous êtes en formation, si vous comptez bientôt ou pas lancer votre activité. Dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de reconversion, comme ça je saurai un peu plus aussi à qui je m'adresse. Coucou, coucou Océane. Hop. Bonjour. Donc dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dans votre reconversion et dans votre projet surtout de lancement, parce que si vous en êtes au tout début, c'est pas du tout le moment pour vous. Où est-ce que vous y pensez sérieusement? Quels sont vos freins? Dites-moi un petit peu tout ça. Je passe l'examen en avril, ça approche. Première année au Sénato, cursus week-end, génial. Ça me fait tout bizarre parce que des fois je repense en fait à maintenant quand je suis rentrée moi aussi mon premier jour au Sénato en 2018 et ça fait bizarre de se dire que c'était il y a si longtemps et en même temps ça paraît si proche donc c'est ouais beaucoup de nostalgie mais contente d'avoir terminé aussi. C'était un long chapitre qui était aussi bon de terminer. Ok, bon je pense qu'on va commencer maintenant puis les autres nous rattraperont en cours de route. De toute façon il y aura encore une fois sous couvert de non-bug Instagram il y aura un replay. Je voulais commencer peut-être par me présenter parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je sais qu'il y a eu beaucoup de nouvelles sur mon compte. Donc, il faut que j'arrête de lire en même temps mon message, donc je perds le fil. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles sur mon compte, donc je vais me représenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Manon Thévenier, je suis naturopathe et praticienne EFT et je me suis formée à la naturopathie au Sénato, donc qui est une des plus grandes écoles, on va dire. En présentiel qui se situe sur Paris, même si elle a ouvert des antennes maintenant un petit peu partout en France. Et donc j'ai démarré ma formation en cursus week-end, c'est-à-dire sur 3 ans avec à peu près un week-end sur deux, en septembre 2018. Comme je vous disais, donc 2018, ça remonte à pas mal de temps maintenant. À cette époque-là, quand j'ai commencé ma formation, je travaillais chez Naturalia. J'avais préparé cette pseudo-reconversion parce que c'est pas vraiment une reconversion, parce que j'ai commencé à travailler pour payer ma formation et non pas. C'est pas donc un changement de métier, on va dire. Mais du coup, j'étais chez Naturalia et je travaillais en magasin bio. J'étais responsable de magasin. Ça me plaisait beaucoup et j'ai évolué par la suite. Je vous en parlerai parce que ça va être important aussi dans mon lancement d'activité. Et donc, voilà, j'étais lancée pour ces 3 années-là. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer, comment ça allait être, quand est-ce que j'allais me lancer. Mais j'ai toujours eu depuis le début cette envie de me lancer rapidement. Il n'était pas question pour moi d'attendre, de faire partie de ces naturopathes aussi qui ne vivent pas de leur activité, parce que c'est ce qu'on entendait beaucoup, encore plus il y a 3-4 ans que maintenant, parce que maintenant ça commence surtout que les réseaux à se démocratiser, qu'on peut vivre de la naturopathie par exemple. Et donc j'ai toujours eu en tête de vivre de mon activité et pas que ça me prenne 3 plombes surtout quoi. Voilà pour ma brève présentation. Je me suis lancée, si quand même, parce que ça c'est par rapport à la thématique du live. J'ai lancé mon cabinet en février 2021, donc il y a presque un an maintenant. Et j'étais à ce moment-là, on va dire, en milieu de dernière année de formation. Donc comme je vous le disais, c'était en 3 ans ma formation. Et donc j'étais en fin de troisième année, en milieu de troisième année, on va dire, lorsque je me suis lancée, puisque je me suis lancée en février et que mes cours s'arrêtaient en juillet. Mes cours s'arrêtaient en juillet, mais par contre, mes examens, je les ai passés que très récemment. Vous en avez peut-être entendu parler. La petite loupinette fait son apparition, forcément. Mais donc, j'avais quand même mes examens aussi à passer.
Donc là, à l'heure où je vous fais ce live, c'est pour ça que je le fais maintenant, que je ne l'ai pas fait avant non plus, j'ai terminé ma formation, j'ai eu mes résultats, j'ai eu haut la main mes résultats, je suis même arrivée major de ma promotion. Il me reste une seule chose avant d'avoir le Graal, le papier, le certificat papier, c'est de passer ma soutenance de mémoire. J'avais le choix de le passer en janvier ou en juin, pardon, et je n'avais pas du tout le temps, en tout cas je ne me suis pas organisée pour le rendre en janvier, donc je rendrai mon mémoire en juin, et dans ces cas-là, j'aurai mon papier à ce moment-là. Mais le mémoire est plus une formalité pour nous pousser en fait à creuser un sujet, à nous spécialiser dans quelque chose, mais il n'y a pas de notation, ça ne définit pas en fait, le résultat de cette soutenance, pardon, ne définit pas notre statut de naturopathe ou pas, et on a tout de même une attestation de fin de formation que j'ai actuellement. Ça, c'est pour poser un petit peu le cadre. Ensuite, maintenant, alors je regarde juste s'il y a, parce que j'ai vu pas mal de nouveaux arrivés, il y a eu beaucoup de coucou, tout ça. Pourras-tu me donner des techniques de révision? Alors non, ce ne sera pas l'objet de ce live-là. J'ai déjà fait une vidéo par contre sur comment je m'organisais avec mes cours qui est sur YouTube, qui pourra peut-être du coup plus répondre à tes attentes. Mais là, ce ne sera pas le sujet du live et je ne saurais pas trop quoi dire parce que on va en parler par la suite, mais j'ai pas été la meilleure élève en termes de révision. Ok, c'est bon. C'est cool de voir que vous pouvez parler entre vous aussi. Donc, comme je vous disais, j'ai toujours su plus ou moins que je voulais commencer mon activité dès que je le pouvais. Donc avant la fin de ma formation, si c'était possible, parce que j'ai toujours été comme ça depuis toute petite, hein, d'être très impatiente. J'ai que 25 ans, mais je me suis toujours sentie en retard, alors que j'ai souvent été en avance par rapport aux autres. Par exemple, dans ma formation, j'étais la plus jeune de ma promo. Et pour autant, même si je traînais avec des personnes qui ont peut-être 10 ans de plus que moi et qu'on était au même stade, je me sentais quand même en retard sur eux ou sur les gens de mon entourage. Ça a toujours été comme ça. Ce qui fait que j'ai toujours tendance à le vouloir vite. Et c'est pour ça que j'ai pris mon indépendance où j'ai acheté mon appartement pour habiter seule, etc. J'ai toujours fait les choses assez vite, j'ai travaillé très tôt aussi par rapport à la moyenne, etc. J'ai toujours voulu faire les choses très vite et forcément, dans mon lancement d'activité, ça ne pouvait pas être autrement pour moi parce que c'est comme ça que je suis tout simplement. J'avais déjà dans l'idée de me lancer d'une certaine manière à la fin de ma première année. Donc comme je vous le rappelle, moi je l'ai fait sur 3 ans et je sais que tout ce que je vais dire là va être quand même assez différent pour toutes les personnes qui font leur cursus en intensif, donc à savoir en semaine, dès lors où il y a plus de 2-3 jours par semaine. Je pense que c'est plus difficile de transposer mon expérience à la vôtre que quand c'est dans un cursus week-end ou au moins en 2 ans. Voilà, je préfère remettre ça aussi dans le contexte. Mais je pensais déjà en fait à me lancer dès la fin de ma première année en fait de naturopathie parce que je commençais déjà à communiquer sur les réseaux. Ça fait longtemps que j'ai mes réseaux sociaux, même si j'ai pas communiqué directement sur la naturopathie parce qu'avant c'était juste un partage de passion, de maquillage, de choses qui n'ont rien à voir et mon contenu a évolué en même temps que moi. Mais j'avais déjà cette idée-là, mes réseaux sociaux étaient déjà prêts pour ça. Et en fait, je pensais pas à ce moment-là à faire des consultations parce que je n'avais pas les compétences pour, j'étais bien lucide par rapport à ça. Mais dans ma formation au Sénato, le programme est vraiment construit de manière à ce qu'on soit assez autonome rapidement. Parce que tout au long de la première année de naturopathie, on nous forme sur le bilan de vitalité, sur les bases de la naturopathie, les bases de l'alimentation. Donc les bases justement concrètes, on les a dès la première année. Et donc ces bases-là nous permettent très facilement de commencer une certaine activité. J'aurais pas fait si je m'étais vraiment lancée à ce moment-là des consultations parce que, comme je disais, j'ai pas les compétences, ça n'aurait pas été pertinent et je me serais pas sentie légitime. Par contre, je pensais à faire des séances de bilan de vitalité pour parler justement des constitutions, des tempéraments hippocratiques, etc., qui m'intéressaient beaucoup quand j'ai découvert ce milieu-là parce que c'est un outil de connaissance de soi assez extraordinaire quand même et c'était intéressant pour moi de pouvoir le transmettre. Ou alors des petites consultations sur des conseils d'hygiène de vie, mais de manière très générale, pas forcément à visée thérapeutique ou quoi, mais juste pour améliorer, on va dire, son bien-être au quotidien. Ça, j'avais les bases pour et ça m'aurait beaucoup, beaucoup plu. Sauf que, même si j'avais ça en tête, déjà, je pense que le syndrome de l'imposteur et la peur de se lancer, qui a toujours été là et qui est même encore là parfois, était plus forte. Donc, j'ai jamais initié quelque chose pour ancrer ça dans la matière. Et le fait de travailler en même temps, surtout en magasin, à l'époque où je travaillais en magasin, je travaillais beaucoup et surtout j'avais une grosse charge mentale parce que je portais une équipe autour de moi et j'étais très jeune en tant que responsable de magasin. Et donc, je pense que je m'investissais d'autant plus
pour prouver aussi, bah, encore une fois, ma légitimité à ce poste-là. Donc j'étais disponible H24 pour mes équipes par message. Je leur envoyais tout le temps des messages, je les appelais pour savoir si tout allait bien. Eux m'appelaient à foison dès qu'il y avait le moindre petit souci, alors qu'ils auraient très bien pu se débrouiller par eux-mêmes. Je restais plus longtemps au boulot aussi pour mettre des listes, des notes, des to-do list, machin, pour qu'en gros, ils aient juste à faire et pas à réfléchir. Donc c'était vraiment très très prenant et c'est aussi un boulot qui est physique hein, parce qu'on porte des cagettes, on porte des cartons. Donc forcément j'étais bien fatiguée avec des horaires décalés. Donc même si ça aurait été possible parce que j'avais déjà l'idée en fait en tête, je n'avais pas l'espace disponible en fait pour mettre en place ce que j'avais en tête. Je pense aussi commencer par des ateliers parce que c'était ça aussi l'enjeu d'avoir déjà des réseaux sociaux un peu développés. C'est que j'aurais pu développer bah, quelques petits ateliers dans, voilà, en petits comités sur certaines thématiques, sur les huiles essentielles, sur le sommeil, le stress. C'est des petites choses assez sympas en fait où j'aurais pu apporter mes connaissances, c'était pas de la consultation. Mais j'aurais pu le faire au stade de fin de première année. Mais je ne l'ai pas fait parce que manque d'énergie, de temps disponible et sûrement aussi beaucoup de peur qui s'exprimait et qui prenait le dessus. Faut savoir aussi qu'à chaque fin d'année, donc moi j'en ai fait trois, on avait un stage d'été. Ça c'est quelque chose qui change dans les nouvelles formations qui démarrent dès maintenant, mais il y a d'autres projets qui sont tout aussi sympas, qui remplacent on va dire ce fonctionnement-là. Mais moi quand j'ai fait ma formation, on avait un stage d'été d'une semaine entre chaque année, donc ça clôturait un peu la première année, la deuxième année, la troisième année. Et ces stages-là sont hyper 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 riches et en apprentissage, c'est là qu'on prend vraiment notre posture de thérapeute. C'est un gros boostant en fait dans notre apprentissage. Et donc ces stages-là étaient formulés de manière à ce que on était tous regroupés, première, deuxième, troisième année, et on formait des groupes avec un de chaque ou deux de chaque selon la taille des promos pour faire des consultations groupées avec un gentil patient, un gentil client en face de nous. Et donc, peu importe le niveau dans lequel on était, si on était en première année, on apprenait énormément, on regardait un peu avec des étoiles dans les yeux. Les deuxième et troisième années qu'on prenait un peu pour des héros parce que nous on était des bébés à côté et quand on est en deuxième et troisième année bah on a un autre rôle parce qu'il y a un rôle aussi plus pédagogique envers les premières années, on lead plus la consultation donc l'enjeu est plus sur nos épaules et donc à chaque stade c'est super intéressant et ça nous fait faire des bonds de géant. Et d'ailleurs c'est ça qui a pour moi été le gros tournant puisque tout au long de ma deuxième année, j'ai changé de travail. Donc, je travaille toujours à Naturalia, mais je suis passée au siège. Donc, avec des horaires de bureau où je commençais à 9h et je terminais vers 18h, 18h30, 19h en fonction de comment je m'organisais. Mais j'avais plus d'horaires décalés. J'avais mes week-ends de libre aussi, sauf quand j'avais cours, bien évidemment. Mais j'avais beaucoup plus de flexibilité et beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de charge mentale parce que je m'occupais que de ma petite personne, de mon petit travail et je ne gérais plus d'équipe. Donc, j'avais beaucoup plus d'espace mental disponible. C'est là aussi qu'est arrivé le premier et oui, tous les confinements. D'ailleurs, il y a eu pas mal de confinements. Et ça a été une grosse remise en question pour moi. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça a été comme un temps sur pause dans leur développement, dans leur vie, dans. Voilà. Et pour moi, ça a été l'inverse. Au contraire, j'ai pris conscience en fait de. Encore une fois, j'étais pressée du fait que j'étais en retard sur mon lancement d'activité, que je faisais pas les choses, que je repoussais tous ces ateliers, toutes ces petites consultations que j'avais en tête. Que j'avais toujours rien fait et que c'était nul en fait pour moi. J'ai tendance à être un peu dure avec moi parfois comme ça. Et du coup, j'ai pris conscience maintenant, donc on était vers mars, avril, hein, il me semble, qu'il fallait que je me bouge en fait et que je fasse quelque chose parce que même si j'adorais mon travail Naturalia, que j'adorais tous les postes que j'occupais là-bas et que ça a été difficile de partir, je savais que j'étais pas à ma vraie place et qu'il était temps que je l'occupe. Donc ces confinements ont été vraiment un des gros marqueurs pour moi. Et à la fin de cette deuxième année, donc. Après ce confinement, il y a eu l'été 2021, qui a été un été très marquant pour moi, puisque bah, il y a eu le stage, le deuxième stage du coup de fin d'année, qui a été particulier, puisque, comme je vous le disais, normalement, dans chaque groupe, il y avait un première, un deuxième et un troisième année, voire deux dans certains cas. Mais cette année-là était très particulière, puisque vu le contexte sanitaire, énormément des troisième années n'ont pas fait ce fameux stage de fin d'année. Donc ils étaient en infériorité numérique par rapport aux deuxième année, donc à ma promotion. Et donc il y a plein de groupes qui se sont retrouvés sans troisième année. Et donc ils mettaient du coup à la place deux premières années pour être un peu plus solide et avoir un peu plus de contenance, on va dire. Mais je me suis retrouvée du coup face à des clients, à des gentils clients, des gentils cobayes, sans troisième année au-dessus pour nous chapeauter. Donc en gros, moi et ma collègue, parce qu'on était toujours deux, deuxième année, on était les naturopathes de la consultation. Donc on était obligé d'incarner ce rôle-là face aux premières années, donc d'être aussi hyper pédagogue avec eux. Et ça a été très compliqué parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à travailler en groupe. Je suis quelqu'un d'assez individualiste de ce point de vue-là. Alors j'adore les gens, j'adore travailler avec eux d'une autre manière, mais
c'est dans ma manière de réfléchir, j'ai beaucoup de mal à mutualiser, à fonctionner avec quelqu'un d'autre dans cet aspect-là, donc ça a été très difficile pour moi. Pourtant, j'adorais la fille qui était avec moi, hein, donc c'était même pas question de ça. Ça aurait pu être ma meilleure amie, que ça aurait été pareil. Donc c'était difficile de ce point de vue-là, mais d'un autre côté, ça a été un bond en avant énorme parce que ça nous a prouvé, autant à elle qu'à moi d'ailleurs, qu'on était prêtes et qu'on n'avait pas besoin justement d'avoir un troisième année avec nous pour nous aider là-dedans. Et ça s'est d'ailleurs même vérifié pour moi lors d'un des jours du stage où j'étais aussi dans cette configuration-là, mais qui avait un troisième année où la fille était complètement perdue et c'est quand même moi qui ai dû prendre les devants pour gérer la chose parce qu'elle était très stressée. Il y a plein de choses aussi qui émergent durant ces stages, c'est pas forcément évident à gérer. Et donc ça m'a vraiment mis en confiance en fait sur le fait que j'étais prête et que je pouvais commencer à un peu envoyer des signaux à l'univers pour me dire c'est bon, je peux occuper ma place et je peux lancer mon activité. Donc c'est là que ça s'est joué, c'est vraiment lors de cet été 2021, c'est là que j'ai pris la décision aussi d'annoncer mon départ à mon chef, à Naturalia. Donc dès mon retour de vacances, je trépignais d'impatience, je ne pouvais pas attendre, je suis très tout ou rien. Donc dès lors où j'avais décidé, je ne pouvais pas me retenir, je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais pas mûrir la réflexion. Quand je le sais, je sais, et là je savais. Donc j'en ai parlé très rapidement à mon chef et on a mis toutes les étapes en place pour que je quitte Naturalia fin décembre, donc fin d'année dernière. Quand j'ai quitté Naturalia, j'ai pris quelques semaines parce que c'était les fêtes, etc. Mais j'ai lancé directement mon activité du coup en février, comme je vous le disais. Et donc j'ai commencé ma troisième année en septembre. Donc les 3 premiers mois, 4 premiers mois même de ma troisième année, je les ai faits en travaillant. Et j'ai commencé mon activité en février, donc à peu près à mi-parcours sur ma dernière année de formation. Je regarde mes notes, voir si j'ai rien oublié. Mais n'hésitez pas à me dire si jusque-là c'est clair et si mon cheminement vous parle. Je vous explique ça aussi parce que j'ai eu quelques questions. On me demande si j'ai commencé directement par des consultations ou vu que j'étais pas certifiée, j'ai d'abord fait des ateliers, ce genre de choses. Donc c'est pour vous expliquer que moi je l'ai pas fait parce que j'ai commencé tard par rapport à mon projet initial, mais que si j'avais commencé plus tôt, j'aurais sûrement fait oui des petits ateliers ou des formats différents, des consultations classiques. Et justement, ça me fait penser à quelque chose. Au stade où j'en étais, surtout après ce stage de deuxième année, je savais que je pouvais faire des consultations normales. Je m'étais aussi d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais tout au long de l'année où j'ai été au siège, je me suis entraînée sur des copines, sur des collègues aussi de Naturalia qui se sont prêtés au jeu. Donc j'ai pu tester ma posture de thérapeute sans faire payer parce que je ne me serais pas sentie légitime de faire payer quelqu'un, un client lambda on va dire, si je n'étais pas certaine d'être à la hauteur. Et donc j'ai pu le faire en fait avec des amis, avec l'entourage proche en fait, beaucoup de collègues aussi comme je vous le disais. Et j'étais prête et je le sentais parce que j'ai toujours été bonne élève, j'ai toujours eu d'excellentes notes aussi aux examens de première et de deuxième année. Donc j'avais pas trop de surprises par rapport à ça. Et surtout j'ai senti que j'étais prête parce qu'il y a un peu eu un switch dans ma manière de raisonner. Dans le sens où au début, quand j'étais en découverte de la naturopathie et pas du tout naturopathe dans mon être, j'étais beaucoup plus à conseiller mon entourage sur plein de choses. Je leur apprenais plein de choses, mais c'était beaucoup des conseils de plantes, de tisanes, d'huile essentielle, des petits conseils alimentaires aussi, mais c'était toujours plus dans l'antisymptomatique de verre, qui est très intéressant et qui apprend beaucoup de choses aussi, hein. C'est pas inutile, mais c'est pas de la vraie naturopathie. Par contre, quand je me suis rendu compte que quand on me posait des questions sur ah bah tiens, en ce moment j'ai du mal à dormir, qu'est-ce que tu me conseilles? Sans m'en rendre compte, je leur disais en fait que je ne pouvais pas répondre à leurs questions parce que j'étais naturopathe et qu'il me fallait tout un contexte, il me fallait plein de choses en fait, beaucoup plus d'informations pour avoir une vision holistique et globale de leur être pour pouvoir leur proposer quelque chose d'adéquat et de structuré et de complet en fait. Et c'est vraiment quand tu commences à réfléchir de cette manière-là, pour moi, que je me suis rendu compte que oui, j'étais légitime à être naturopathe parce que j'avais la réflexion naturopathique. Et ça, la réflexion naturopathique, c'est quelque chose dont je vous parle énormément. Parce que c'est vraiment pour moi ce qui distingue mon école, même s'il y en a sûrement d'autres, mais je ne les connais pas. Le Sénato met vraiment un point d'honneur à ce qu'on comprenne le raisonnement, la réflexion naturopathique, que l'on réfléchisse et pas juste que l'on applique des protocoles bêtes et méchants sur tel type de pathologie, tel trouble, etc. Non, on apprend vraiment à réfléchir derrière et c'est pour ça que j'ai pas eu peur de me lancer parce qu'il me suffisait, en cas de stress, parce que c'est une pathologie que je connaissais pas trop, de revenir aux fondamentaux et en travaillant sur le terrain, on y arrive toujours. Alors, je vois juste une petite question.
C'est Isa qui dit, pendant tes cours au Sénato, avais-tu également des consultations ou était-ce seulement durant les stages de fin d'année? Alors, en week-end, on a essentiellement, enfin, on a quasiment que les stages d'été pour faire des consultations supervisées, même s'il me semble qu'on a eu deux sessions en troisième année ou peut-être en deuxième, je sais plus, avec, où on reproduisait ce même système-là, mais en classe sur une journée de cours classique. Par contre, sur les cursus semaine, vu qu'ils avaient moins de stages que nous, il y avait des temps de consultation comme ça plus fréquemment dans leur parcours. Je sais que vu que maintenant il n'y a plus les trois stages en formation week-end, pardon, Aude, la directrice de l'école, met beaucoup plus de, on appelle ça du mentorat, il me semble, ou du. Mais de. Non, sinon de clinica, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, a rajouté beaucoup plus de clinica sous des formes différentes, mais je ne sais pas exactement comment, puisque bah, je n'ai pas forcément suivi les actualités de la formation, mais en tout cas. Moi, c'était que pendant le stage d'été, quasiment, à part deux petites exceptions. Et sinon, c'était du travail personnel aussi à faire à la maison. Même si on pouvait solliciter les profs, si jamais on avait des questions sur un PHV qu'on avait à faire, des consultations, on pouvait tout à fait les solliciter. Hein, mais c'était pas inclus dans le programme, on va dire. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, sauf s'il y a un bug Instagram. Je le précise toujours parce que la technologie me fait un peu peur pour ça. Donc voilà comment s'est mis en place pour moi l'idée de faire des consultations et l'idée de faire des consultations normales, de ne pas ni brader mes prix, ni faire des demi-consultations parce que j'étais étudiante, etc. Parce que pour moi, j'étais capable et j'étais prête à faire des consultations normales. Et d'ailleurs, alors je voulais en parler plus tard, mais je vais peut-être y venir maintenant. On m'a beaucoup demandé bah justement quand est-ce que je, enfin, comment j'ai fait avec la légitimité pour me sentir légitime alors que j'étais encore étudiante, comment j'ai fait pour sentir que j'étais prête. Donc ça, je voulais un peu dire, c'est un peu ce switch-là quand j'ai compris en fait que juste donner des conseils à la volée, faire de la consultation de comptoir comme on dit, ça ne suffisait plus et que bah, vu que j'étais, que j'avais besoin de plus d'informations, vu que j'avais vraiment la vision naturopathique, bah, je faisais des vraies consultations de naturopathie et donc que j'étais légitime à m'installer en tant que telle. Mais sinon, par rapport à la légitimité du fait d'être étudiante, je pourrais pas vous dire que ça m'a pas posé problème parce que le syndrome de l'imposteur, je pense que dans n'importe quel lancement d'activité ou autre nouveauté, il est toujours présent. Et même encore aujourd'hui, j'y fais face. Il est tout le temps là, parfois derrière moi, une petite voix dans ma tête. Donc je pourrais pas vous dire que ça n'a pas été le cas parce que c'est le cas, mais je pense que c'est normal. Par contre, on va dire qu'il n'a pas pris le dessus. Tout simplement parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à être transparente sur le fait que j'étais encore étudiante. C'est écrit dès la première ligne dans ma bio Instagram, c'est écrit dans mes visuels qui proposaient mes services, c'est écrit sur mon site internet. Donc je ne dupais personne et c'était, je pense que c'est surtout là le point important en fait, c'est de ne duper personne, de ne pas vouloir camoufler qu'on est en fin de formation ou quoi que ce soit. Et moi c'est clairement ce que j'ai fait, j'ai toujours dit que j'étais étudiante en naturopathie, que je proposais des formations. Et pour les personnes qui ne se sentaient pas, qui n'étaient pas à l'aise à l'idée de consulter une étudiante, mais étaient libres de ne pas prendre rendez-vous avec moi et d'aller voir un naturopathe déjà certifié. Mais ça leur appartenait, c'était leur décision. Par contre, il y a plein de personnes, et je leur en remercie, qui m'ont quand même consultée et qui, au contraire, attendaient que je me lance parce que, bah, vu que j'étais présente sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me demandaient bah, est-ce que tu prends déjà des rendez-vous, etc. Et quand c'était pas le cas, bah, c'était frustrant de leur dire non. Et je sais que ces personnes-là, bah, quand je me suis lancée, ont pris rendez-vous avec moi parce que c'est avec moi qu'elles voulaient prendre rendez-vous, justement, puisque mon approche, peut-être, ou ma personnalité collait avec elles. Et donc, c'est sûr que. Enfin, moi aussi, je privilégie beaucoup la personne avant les diplômes du thérapeute en question ou les certifications. Et donc c'est pour ça que moi, ça ne m'a pas posé de problème. Par contre, j'ai toujours été transparente avec ça. Et on m'a aussi demandé comment dire, s'il y a des pathologies que je prenais pas, que je traitais pas, etc. Alors, dans l'idée, oui, je me suis toujours dit que, vu qu'en troisième année, on voyait beaucoup de pathologies, mais beaucoup d'exclusions, donc finalement, ça ne me concernait pas tant que ça. Mais je me suis toujours dit que si on me venait me voir pour une pathologie que je ne connaissais pas ou que je ne maîtrisais pas, je n'avais aucun souci en fait à rediriger en disant que bah, j'étais encore en formation, que j'étais pas apte à l'accompagner au mieux. Mais ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Je sais ça aussi parce que à chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous avec moi, je demande le motif de consultation avant. Ça me permet de préparer parfois certaines petites choses, de vérifier des ressources, etc. Et aussi, bah, dans les cas où je ne serais pas la bonne personne, bah, au moins ça me permet de le dire avant et d'éviter de faire perdre du temps et de l'argent à la personne. Si jamais on m'avait quand même consulté et que sur le moment, je me serais rendu compte que j'étais pas la bonne personne, j'aurais juste pas fait payer la personne et j'aurais pas eu de problème avec ça. Mais ça m'est pas arrivé. Et je pense aussi, les profs nous l'ont souvent dit, qu'on attire les personnes, seulement les personnes que l'on peut aider. Et dans mon cas, ça s'est révélé juste en fait. C'est arrivé juste une seule fois.
Et je pense que bah, le karma m'a bien rattrapé. Hein. Un monsieur qui m'avait appelé pour une pathologie que je ne connaissais pas du tout, du tout. Et je ne m'étais pas démontée. Je m'étais dit que j'allais revenir aux fondamentaux, aux bases et que ça allait le faire. Alors que le gars m'avait dit qu'il a vu plein de spécialistes avant et tout. Hein, donc moi, jeune naturo, je ne sais pas si j'aurais vraiment pu l'aider. Mais j'avais quand même dit oui. Et puis j'avais toujours cette idée dans ma tête que de toute façon, si je me rendais compte après que j'étais d'aucune utilité, je ne l'aurais pas fait payer et c'était OK comme ça. Mais. Dans mon cœur, je savais que c'était trop pour moi ou il y avait un mauvais feeling, et ben la personne a annulé, elle m'a posé un lapin. Et je pense que c'était juste comme ça en fait. Et en dehors de ce monsieur-là, j'ai eu aucune personne qui est venue à moi et que je n'ai pas su aider. Donc je pense vraiment que voilà, l'univers nous envoie vraiment que les choses que l'on est capable de gérer. Et c'est pareil en naturopathie ou en lancement d'activité. On attire à nous que les personnes que l'on peut aider et que l'on doit même aider, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a vraiment une notion comme ça de justesse qui se crée. En tout cas, c'est ma vision et ça s'est révélé juste pour moi. Au niveau des questions, est-ce qu'il y aurait un que j'ai répondu? Qu'est-ce que tu penses des formations en naturopathie 6 mois ou 1 an? Alors, c'est dur de donner mon avis sur des choses que je n'ai pas faites. Parce que, voilà, peut-être que c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que je sais que. Même si mon école en propose des formules intenses, donc je crois que le minimum c'est 1 an et demi, c'est même pas 1 an, et c'est 2 ans pour la moyenne et 3 ans pour la plus longue. Moi je sais que je ne regrette absolument pas d'avoir fait en 3 ans. Alors qu'initialement je voulais le faire en intensif parce que, rappelez-vous, je suis madame pressée, toujours en retard, toujours à la quête du temps, donc je voulais faire ça en un minimum de temps, mais j'étais trop jeune donc Daniel a refusé et a préféré que je fasse ça en week-end. Et heureusement parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables. En 3 ans, on crée des liens mais immenses, donc ça, gratitude franchement pour toute ma promotion avec qui j'ai créé des liens incroyables. Et surtout en 3 ans, ça m'a permis tellement de devenir cette thérapeute, de devenir une personne bien meilleure. C'est avant tout une thérapie avant d'être une formation, pour moi, je le dis tout le temps. Et vraiment, en ces 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai énormément évolué, énormément grandi. Et je ne serais pas devenue une thérapeute telle que je suis actuellement si j'avais fait ça en 6 mois ou en 1 an. Et même en 1 an et demi, 2 ans, comme ma propre école le propose. Et nos profs nous disent souvent qu'ils voient quand même une différence de maturité en fin de formation entre les week-ends qui ont passé du coup 3 ans à mûrir ce projet versus les semaines qui font ça en 1 an et demi, 2 ans. Ils voient quand même un décalage au niveau de la maturité. Après, ça fait de très bons thérapeutes aussi, hein, et puis chacun évolue à son rythme, donc il n'y a vraiment pas de généralité. Ça dépend de chacun. Mais en moins d'1 an et demi, moi je dirais non. Mais c'est vraiment ma perception, quoi. Je veux invalider personne alors qu'il y a sûrement de très, très bons naturopathes qui se sont formés de cette manière-là. Mais moi, je reste très. Comment on dit non, pas perspicace du tout. Perplexe, pardon. Je reste très perplexe par rapport à ces formats-là. D'autant plus que maintenant, la naturopathie est très à la mode et que depuis 3 ans, on voit des formations fleurir un peu partout. Et très, très honnêtement, je doute de leur qualité. Donc voilà, c'est mon avis. Coucou, j'ai une question plutôt pratico-pratique pour mon cas. Il est donc possible de se déclarer naturopathe sans être certifié? Alors ça, j'y reviens juste après. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je vais répondre à ça juste après. Coucou Patricia. Heureusement que je n'ai pas attendu que tu sois certifié. Les consultations m'ont tellement été bénéfiques. Encore merci pour ta félicitations pour ta certification. Merci beaucoup, beaucoup Patricia. Vous avez eu ces témoignages de manière un peu différente sur Instagram, en newsletter et tout, parce que j'ai eu la chance de l'accompagner en naturopathie pure et dure pour certains troubles, et par la suite avec mon accompagnement Daily Sucre, et ça a créé aussi une relation très particulière parce qu'on s'est vu de manière très très fréquente pendant plusieurs mois, et merci parce que bah, tu as fait partie des personnes qui m'ont fait confiance en sachant justement que je n'étais pas encore certifiée à ce moment-là, et pour moi ça n'a pas de prix, c'est vraiment très précieux. Merci. Quels sont tes horaires, jours, travaillés, comment tu t'organises? Alors ça pareil, je reviendrai après. Rappelez-le-moi si je réponds pas à vos questions alors que je dis que j'y reviens, hein, parce que. Faut-il absolument un cabinet? Ça aussi, je vais en parler. Donc, c'est bon. Toutes les questions-là que j'ai vues, je vais l'aborder tout de suite. Donc, à commencer sur le comment. On m'a beaucoup posé de questions sur comment tu as fait pour te lancer alors que tu n'avais pas de papier, tu n'avais pas de diplôme, tu n'avais pas de ceci. Déjà, et c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé avant moi-même de me lancer, mais regardez sur Instagram toutes les coachs qui émergent, tous les métiers qui sont inventés sur les réseaux sociaux de personnes en coach en image de soi, qui crée des programmes pour révéler la femme sacrée qui est en soi. Enfin bref, tout le monde crée son métier maintenant. Et finalement, c'est un statut d'auto-entrepreneur que l'on peut créer pour créer une activité sur mesure en fait. Donc déjà, ça, je ne l'avais pas du tout en tête. Mais finalement, n'importe qui peut se mettre à son compte pour n'importe quoi, même créer son activité. Quand je dis n'importe quoi, ce n'est pas péjoratif. C'est plus dans le sens créatif et pas on peut faire n'importe quoi avec la vie des gens. Pas du tout, pas du tout, hein.
Dans le cas spécifique, la naturopathie est un peu sous les radars parce qu'on peut faire plein de choses, mais dès qu'on parle de naturopathie, ça fait peur, on peut être très dangereux, ceci, cela, et c'est vrai d'un côté, mais d'un côté, on nous met aussi beaucoup la lampe torche un peu sur la tête comme ça, comme si on était des criminels possibles, enfin des potentiels criminels. Donc c'est un peu particulier, c'est vrai qu'il faut faire quand même attention pour être, pour rentrer bien dans les cadres, sinon on peut vite te faire allumer, même de manière injustifiée. Par rapport à ça, il n'y a quand même pas de législation par rapport à la naturopathie. Donc c'est un peu ce qui est même déplorable, c'est que n'importe qui a fait sa formation formaliste à 69 euros sur Groupon, dès qu'il a fini, a un certificat et peut se proclamer naturopathe, mettre une plaque, ouvrir un cabinet, etc. Au niveau des assurances, toutes les assurances ne prennent pas en charge parce que justement, dès qu'ils entendent naturopathe, ils se protègent énormément. Et il y a une assurance qui est un peu spécialisée dans tout ce qui est médecine alternative, médecine douce, c'est Medinat. Je vous l'écris juste dans les commentaires, même si vous devez sûrement connaître. Et d'ailleurs, beaucoup d'écoles de naturopathie sérieuses, en tout cas le Sénato en fait partie, ont des partenariats, on va dire, avec Medinat, qui est donc une assurance spécialement dédiée pour les thérapeutes, pour les milieux comme ça un peu alternatifs. Et donc moi, je suis allée vers ça parce que j'avais pas du tout envie de prendre le risque d'aller dans n'importe quelle assurance qui ne s'y connaissent pas du tout et de payer quelque chose qui ne me servira à rien en cas de besoin en fait. Donc je me suis tournée vers celle-là, ça me coûte à peu près 15 euros par mois, c'est pas excessif. Par contre, vu que j'étais encore étudiante au Sénato, ils ne m'ont pas, comment dire, ils ne m'ont pas assurée en tant que naturopathe, ils m'ont conseillée en tant que, comment on appelle ça? Conseillère en hygiène de vie. C'est quand on a validé sa première année, quelque chose comme ça. Donc j'ai dû leur envoyer une attestation de formation et ils ont pu voir où est-ce que j'en étais dans mon parcours. Et vu qu'ils connaissent le Sénato, ils savent à peu près à quoi ça correspond. Et donc ils m'ont assuré en tant que conseiller en hygiène de vie. Et donc c'est comme ça en fait, quand on me demande comment on peut faire, que l'on peut faire en fait. On peut contacter cette assurance-là, leur prouver que l'on est déjà bien avancé dans notre cursus. Et dans ces cas-là, ils nous assurent au niveau en dessous, qui est le niveau praticien naturopathe. Et donc là, je vais pouvoir mettre à jour dès que j'aurai. Il faut juste que je leur envoie mon attestation de fin de formation pour avoir juste le statut naturopathe avec eux. Donc en fait, le comment, il est très facile. On se prend énormément la tête dessus, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu. C'est tout simple. Il suffit juste de trouver une assurance, parce que ça, c'est important. Mais sinon, il n'y a pas d'autre frein. Et je le répète, la transparence, la transparence, la transparence. Parce que même si au niveau légal, on peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau-là, on ne fait pas ce qu'on veut avec nos clients, avec les gens qui viennent nous voir et qui nous font confiance. Donc affichez partout, répétez-le. Vous êtes étudiant, dites où est-ce que vous en êtes. Je sais que ADNR, par exemple, fonctionne beaucoup par examen. Donc on passe tous les examens d'alimentation, de nutrition, de réflexo. Et donc ils ont des titres qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc si c'est le cas dans votre formation, misez là-dessus. Mais ne vous déclarez pas naturopathe si vous ne l'êtes pas. Plus pour une relation de confiance et de transparence, d'honnêteté avec vos potentiels clients. Mais sinon, dans le comment, il n'y a pas trop de soucis. Et pour répondre au statut au niveau administratif, je suis au statut micro-entreprise, donc c'est auto-entrepreneur, parce que c'est plus simple. Mais sachez que quand on a des frais, bah notamment moi j'ai la location d'un cabinet à charge, Doctolib, etc., bah ça revient cher parce que ce n'est pas déduit de mon chiffre d'affaires. Donc il serait peut-être plus intéressant de passer en société, j'y réfléchis. Mais pour se lancer en auto-entreprise, pour 80% des cas, ce sera très très bien. Je crois que j'ai répondu du coup à une des questions qui était comment, quel statut, machin, machin. Hein. Si c'est bien. Donc est-il possible de déclarer naturopathe sans être certifié? Donc oh, oui, à condition de soit bah, déjà d'être assuré et de se déclarer au niveau de l'URSSAF, parce que dès qu'on fait du chiffre d'affaires, on doit le déclarer pour payer ses charges comme tout le monde. Donc ça, c'était sur le comment. Ensuite, une question assez intéressante, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un cabinet quand on est naturopathe? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que moi j'ai attendu d'avoir un cabinet, donc 2 jours par semaine à Nières, le mercredi et le vendredi, pour commencer mon activité. Parce que je trouvais ça symbolique, je trouvais ça plus vrai, etc. Et j'avais envie aussi de ce. pardon, de ce rapport de consultation dans un vrai cabinet et tout. Mais c'est pas du tout obligatoire en réalité, parce que de plus en plus il y a des personnes, des naturopathes, qui se lancent 100% en ligne. Je pense que ça dépend vraiment déjà de vos affinités, de comment vous envisagez votre activité par la suite. Il y a tous les formats qui existent. En fait, on peut faire de la naturopathie ce que l'on veut. On peut créer sur mesure son métier. Donc non, c'est pas obligatoire. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire en fait de votre métier de naturopathe. Donc si jamais tu veux préciser ta question par rapport au fait de est-ce qu'on doit avoir un cabinet ou pas, n'hésite pas à rebondir dessus pour que je puisse apporter plus de précision. Mais là, dans l'état, je peux pas, je vois pas ce que je peux te dire d'autre à part ça dépend de toi, de ce que tu as envie de faire.
Quels sont tes horaires et jours travaillés? Comment organises-tu tes semaines, etc. J'ai du mal à répondre à cette question parce que justement à ce niveau-là, c'est pas assez structuré. Quand on est en début d'activité, on a tendance à se dire qu'on prend le tout venant, donc qu'on travaille non-stop, enfin non-stop, qu'on ouvre en tout cas la possibilité de travailler avec nous de manière non-stop. Il n'y a que le samedi après-midi et le dimanche parce que je suis avec mon copain et que du coup bah, je ne consulte pas à ce moment-là. Mais c'est vrai que je me suis pas trop posé la question, je suis restée sur un schéma très classique de semaine et samedi matin pour ouvrir les consultations, on va dire. Donc j'ai pas trop réponse à ça, mais encore une fois, et je pense que ça changera pour moi aussi par la suite, tu peux aussi t'imposer des jours en te disant bah, le lundi je veux le réserver à mon organisation, mes séances de sport, des formations, bref, que sais-je, et je veux consulter seulement du mercredi au vendredi. Et c'est toi qui vois, et c'est tout à fait possible aussi. Moi j'ai fait le choix de ne pas le faire pour laisser la possibilité à tout le monde de réserver selon ses propres disponibilités, mais je sais que c'est quelque chose qui changera parce que ça me freine un peu justement dans mon organisation type de la semaine. Et au niveau de comment j'organise mes semaines et mes journées, c'est en cours en ce moment. Même si ça fait un an que je suis lancée, j'ai testé pas mal de choses, parfois ça a marché, parfois non, parfois ça a marché un temps, puis après il y a eu un événement qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Les vacances d'été notamment, pour moi ça fait un gros reset et ça a été très compliqué à la rentrée de trouver une bonne organisation. Là, je suis en train de tester de nouvelles choses qui, je l'espère, vont fonctionner. Donc, je vous en parlerai probablement en vidéo plus tard si ça fonctionne bien pour vous inspirer, pour peut-être pouvoir vous aider aussi à piocher des choses qui pourraient vous convenir. Mais là, c'est trop prématuré pour pouvoir répondre à ta question. Merci, Patricia. Y a-t-il des inconvénients à s'installer à son domicile? J'ai une dépendance et la possibilité d'organiser des ateliers. Alors moi j'habite dans j'allais dire un 2 mètres carrés, dans un 2 pièces pardon, où j'ai pas d'entrée, on arrive directement dans mon salon et je me voyais pas accueillir des gens chez moi, donc à domicile dans ce sens-là moi c'était pas possible. En visio c'est différent parce que la personne n'est pas physiquement chez moi, mais je sais que beaucoup de personnes font leur cabinet chez elles. Et justement, encore plus quand on a une dépendance, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai une copine, Anne-Sophie, dont je vous partage parfois les contenus, qui a une dépendance et qui a ouvert son cabinet chez elle. Je trouve que c'est vraiment l'idéal parce qu'on reçoit chez soi sans être dans son intimité, parce que c'est un espace qui est dédié à ça. Donc souvent les entrées sont même séparées, c'est une dépendance, donc les entrées sont indépendantes. Et je trouve ça vraiment bien. Et pour moi c'est top parce que ça permet d'avoir un espace pour travailler, pour accueillir du monde sans avoir de frais, parce qu'un cabinet ça coûte cher, j'en parlerai peut-être après si ça vous intéresse, mais ça peut coûter cher, ça coûte cher de manière générale. Surtout en région parisienne. Donc ça permet vraiment d'avoir et un cabinet si on veut vraiment développer cet aspect-là en local et de ne pas prendre de risques financiers, pardon. Donc je trouve ça vraiment chouette si on peut se permettre. Après, il faut être à l'aise avec les gens. C'est vrai que même moi, en ayant un cabinet qui est à l'extérieur de chez moi, c'est pas mon adresse, etc. Surtout au début, j'avais toujours une appréhension à rencontrer la personne. Je me faisais des scénarios pas possibles dans la tête, et si c'était un psychopathe, et si c'était pas vraiment une femme derrière, mais un homme trop bizarre. Je me suis fait ce genre de scénario forcément. En plus, il y a des jours où j'étais toute seule au cabinet, qu'il n'y avait pas forcément de collègues à côté. Donc, c'est des choses qui font peur. Donc, faut s'écouter hein, dans ces moments-là. Personne n'aura la réponse à ta place. Il faut voir si toi tu te sens à l'aise avec ça, si ça te fait peur ou pas. Est-ce que tu peux tester en ayant d'abord peut-être un contact au téléphone, peut-être que ça peut te rassurer ou. Il y a des moyens de faire en fait pour te rassurer si c'est la peur qui parle dans ta question. Mais sinon, je trouve ça génial voilà, de pouvoir organiser des ateliers et tout. Ça te fait un risque vraiment en moins par rapport à l'aspect financier parce que même quand on organise des ateliers, on doit louer un espace. Donc si on n'a pas suffisamment d'inscrits, bah, ça fait flipper parce que bah, on peut perdre de l'argent alors qu'à la base, c'est pour en gagner un petit peu. Donc je trouve ça génial si on a la possibilité de le faire à la maison. Moi, j'aurais adoré. C'est juste que bah, la configuration de mon appart ne s'y prête pas. J'ai fait le Senato, qui est à Paris, mais qui a aussi des antennes à différents endroits en France. Est-ce que le fait d'avoir des disponibilités sur quelques jours en cabinet n'a pas freiné les clients qui ne sont pas toujours disponibles? Alors, est-ce que tu parles du fait que j'ai le cabinet que deux fois par semaine, donc le mercredi et le vendredi? Sûrement que oui, parce que peut-être que ça aurait arrangé les personnes le samedi, par exemple. Mais d'un côté, je suis assez surprise parce que j'ai ouvert des créneaux, notamment le lundi soir, en soirée, donc à partir de 18h, 18h30, 19h, et ils n'ont jamais été réservés. Et tous les créneaux, quasi toutes les consultations que j'ai, sont très souvent à des heures improbables. Ça peut être le midi, ça peut être à 15h30, ça peut être à 11h. Donc dans des horaires où les gens sont en général occupés à travailler. Donc en fait, il n'y a pas de règle par rapport à ça.
Donc non, j'ai pas eu l'impression que pour moi ça a été un frein. Après, je suis contente d'avoir ces 2 jours, le mercredi et le vendredi, c'est souvent des jours sympas parce que le mercredi, il y a pas mal de gens qui ne travaillent pas. Le vendredi, surtout avec le télétravail où il y en a plein qui prennent leur après-midi. Donc je pense que ce sont des jours sympas. Est-ce que ça aurait été différent si j'avais eu le mardi et le jeudi? J'en sais rien du tout. Mais non, je ne pense pas. Et puis le fait d'avoir des créneaux en visio aussi complète aussi pour ceux qui veulent vraiment d'autres créneaux. Donc je ne pense pas. Après, si c'est vraiment très très localisé, si tu es ouvert que le lundi matin, oui, effectivement, ça peut être un peu contraignant. Mais sinon, en règle générale, les gens s'organisent. Et encore plus maintenant avec le télétravail qui est largement répandu finalement. Il y a plein de gens qui organisent leur temps aussi en fonction de ça, qui peuvent prendre un peu plus de temps sur leur après-midi parce qu'ils modulent leur emploi du temps comme ils veulent à la maison. Donc non, je pense encore moins maintenant que ce soit un frein d'avoir peu de jours de disponible. Oui, donc Senato, merci d'avoir répondu à ma place en attendant que j'y réponde moi-même. Quels sont les motifs de consultation les plus demandés? C'est assez variable. Beaucoup de digestifs en tout genre, hein, constipation, diarrhée, ballonnement, gaz, douleur. Le digestif, de toute façon, en naturopathie, on le voit à toutes les sauces, donc ça c'est très très fréquent. Des causes psycho-émotionnelles avec beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de stress. Un petit peu de trouble du sommeil, même si c'est pas ceux qui viennent le plus à moi. Mais très souvent, c'est pas le motif de consultation, mais ça existe quand même quand je fais mon anamnèse. Candidose, beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidose. Et je pense que c'est lié aussi à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc forcément, les gens viennent me voir par rapport à ça. Addiction au sucre, mais ça c'est bien plus aux compulsions alimentaires, mais c'est plus lié à mon accompagnement Daily Sucre qu'en consultation one shot, on va dire. Donc oui, je dirais ça, je suis en train de réfléchir. Allergie, une fois. Mais ouais, endométriose aussi. Mais principalement digestif, on va dire. Voilà, donc j'ai fini les questions du chat. Je vais reprendre un peu le fil où est-ce que j'en étais. Transparence, légitimité, tout ça, je vous en ai parlé. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres questions sur lesquelles vous voulez que je rebondisse par rapport à ces sujets. Et après, je voulais vous parler du prix. Parce que, pareil, quand on m'a posé la question de est-ce que j'ai déjà directement commencé par les consultations, est-ce que j'ai fait des ateliers et tout, on m'a aussi beaucoup demandé par rapport au prix, est-ce que je me sentais à l'aise? Parce que moi, mes consultations, les premières sont à 80 euros et celles de suivi à 70. Donc c'est proche d'un prix classique, c'est pas un prix réduit au rabais par rapport à d'autres naturopathes. Et c'était le cas aussi quand je me suis lancée alors que j'étais encore étudiante. Et on m'a beaucoup demandé, voilà, je sais pas trop quoi faire, est-ce qu'il faut faire du gratuit, est-ce qu'il faut faire sur donation libre, sur donation consciente, est-ce qu'il faut faire des petits prix parce que je suis encore étudiante, etc. Encore une fois, ma réponse est toujours la même, ça dépend de ce qui est juste pour vous. En fait, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Si vous, vous vous sentez voleuse en affichant un prix à 80 euros parce que vous vous sentez pas légitime, déjà, personne ne payera ce prix-là parce qu'ils vont le sentir et ce sera pas agréable pour vous. Donc ça va être important de choisir un prix juste pour vous. Par contre, je vais vous donner moi ma propre réflexion. Encore une fois, si j'avais lancé mon activité en première année avec des petites consultations sous un format différent, donc pas des vraies consultations naturaux ou des ateliers, ça aurait été des prix moindres parce que ça n'aurait pas été des consultations de naturopathie. Par contre, quand je me suis lancée en février, c'était des consultations de naturopathie, au même titre que n'importe quel naturopathe qui durait 1 heure et demie avec un PHV complet qui comprend les 4 techniques majeures et tout ce qu'il faut dedans. Alors après, je ne suis peut-être pas la naturopathe expérimentée de 10 ans de cabinet, donc ma consultation ne sera pas à 150 euros comme ça peut être le cas pour ces grands naturopathes renommés. C'est sûr, il y a un juste milieu, on va dire. Mais je ne me voyais pas casser mes prix en fait parce que je ne me serais pas sentie payée à ma juste valeur. Et je pense que inconsciemment, hein, parce que même si on a envie de donner le meilleur de soi, même si on est quand on est dans le milieu de l'aide comme ça, on a envie de donner tout ce que l'on a. Mais je pense que inconsciemment tout de même, même si on a envie de donner le meilleur, peu importe combien on est payé, je pense qu'il y a toujours cette partie de nous qui, si on n'est pas payé à sa juste valeur, on va moins s'investir ou on va se dire si on fait pas ça tout à fait bien, c'est pas si grave parce que bon, elle a pas payé trop cher, donc c'est pas trop grave si elle part pas avec ce qu'elle veut. Et c'est pas une mentalité dans laquelle j'avais du tout envie d'être, parce qu'on peut parfois pas s'en rendre compte, et en tout cas. En mettant un prix qui me semblait juste pour moi, qui résonnait juste avec moi, j'ai pas eu à me poser ce genre de questions et j'étais à l'aise avec les personnes que je voyais. Donc ça va dépendre de vous. Et je vous mets quand même en garde sur les. Enfin, ce qui a fait partie de ma réflexion encore une fois par rapport au prix gratuit, c'est que j'ai eu énormément de personnes qui, pendant que j'étais encore en formation et pas encore lancée, me demandaient des consultations gratuites et ça me mettait mal à l'aise parce que. Ça a déjà été fait une fois où je sentais que c'était parce que la personne avait des vraies difficultés. Et encore une fois, c'est toujours la même, on s'est tourné, on s'est demandé. On distingue très facilement les personnes qui
n'ont vraiment pas beaucoup des moyens et essayent vraiment de se prendre en main avec ce qu'ils peuvent. Et les personnes qui essayent toujours de grappiller du gratuit, du moins cher. Et c'est leur vie en fait qui est comme ça, de chercher des choses au rabais. Et en fait, ces personnes-là ne s'investissent jamais réellement parce qu'ils n'investissent pas en eux. Donc pourquoi ils ne font, enfin, ils ne se mettent pas en priorité par rapport à ça. Donc leur investissement sera à la hauteur du prix qu'ils veulent mettre dans leur consultation. Et moi, ça ne m'intéressait pas non plus de travailler avec des personnes qui ne mettaient pas en application, enfin qui n'auraient pas mis en application mon PHV parce que ça n'aurait pas été utile ni pour eux ni pour moi. Donc moi, je me sentais pas à l'aise du tout avec le fait de faire du gratuit ou du rabais par rapport à ça. Donation libre, ça me mettait mal à l'aise tout simplement parce que bah, il y aurait eu ces personnes qui en auraient profité. Mais c'est pas à ça que je pensais. C'est que je pensais à moi. Moi, quand on m'affiche souvent, hein, quand il y a des ateliers ou des choses sur donation libre, même si ça me fait envie, même si j'ai envie de travailler avec la personne, je le fais pas parce que ça me met hyper mal à l'aise de moi devoir donner de la valeur à la personne. Je sais pas si vous me suivez, mais je me sentirais trop mal de me dire bah moi je donnerais bien 20 euros pour un atelier, alors qu'en fait ça se trouve elle va croire que je suis trop radine parce qu'elle attendait 40. Ou alors du coup de donner exprès 40 euros en disant bah comme ça au moins elle me prendra pas pour une radine, alors qu'en fait 20 euros ça aurait suffi et que moi je me serais mis un peu dans la merde financièrement parce que j'ai pas un compte en banque énorme. Je pense que ça met, enfin moi ça me met mal à l'aise et donc j'ai peur de mettre mal à l'aise les gens de cette manière-là et qui me payent 150 euros une consultation alors que moi j'en attendais pas tant et qui l'aient fait par peur de mon regard et du jugement. Ou aussi bah, d'être payé à l'inverse, pas beaucoup, et moi de me sentir lésée en me disant bah elle a jugé que mon travail ça valait que ça. Donc voilà, c'est un peu ma réflexion par rapport à ça. Encore une fois, chacun son avis. Et dernière chose par rapport au prix, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui se disent que vu qu'ils sont pas formés ou pas terminés d'être formés ou pas expérimentés, c'est plus expérience qui parle, on va faire un petit prix pour s'exercer. Donc on va dire une consultation à 40 ou 50 euros. Souvent, c'est les prix que je vois pour les personnes qui commencent à se lancer. Déjà moi ça ne me convenait pas parce que pour moi c'était pas de l'entraînement. Quand c'est de l'entraînement ça me choque moins parce que c'est d'un commun accord en fait, ça rend service aux deux. Alors que moi, bah non, c'était des vraies consultations. Et surtout quand vous commencez avec un prix si bas, même si c'est pour vous entraîner au début, si voilà vous êtes en troisième année, vous faites ça pendant 6 mois, le jour après vous allez être certifié et vous allez vouloir bah, demander un prix juste, ça va être compliqué de passer de 40 euros à 80 euros. On augmenterait souvent ces prix par palier. Ouais, on augmente de 10 en 10 par exemple. Et donc ça peut faire un gros choc en fait si les patients, enfin les clients pardon, que vous avez sont habitués à un prix bas et que d'un coup ils voient afficher 80-90 euros. Moi ça me mettait mal à l'aise et je n'avais pas envie d'infliger ça en fait aux personnes qui me suivaient. Moi je sais que mon prix actuellement c'est 80 euros, mais pour moi le vrai prix juste d'une consultation c'est 90. Et quand je sentirais suffisamment expérimentée, probablement que je l'augmenterais à ce fameux prix des 90 euros. Mais le gap il n'est pas énorme donc. C'est jouable en fait, pour moi. Tout à fait d'accord par rapport au fait d'être payé à ta juste valeur. Tes prix me paraissent très justes. Merci. Il y a aussi une implication à avoir de la cliente. Tout à fait. Pas trop difficile de conjuguer vie perso et métier de naturopathe. Bah, encore une fois, ça dépend des limites que toi tu y mets. Moi non, mais j'habite seule et sans enfant. Donc c'est plus facile d'organiser mon temps. Et quand j'ai des choses perso à faire, bah, je ferme les créneaux en fait. Donc non, pour moi, c'est pas compliqué du tout. Ensuite, par rapport au prix, c'est bon. Ensuite, on m'a aussi demandé au niveau vraiment organisation, qu'est-ce que j'ai fait en premier pour me lancer? Ça vous questionne beaucoup. Et donc, ce que j'ai fait, déjà, il faut savoir que j'ai suivi un coaching avec Anne-Claire Méret. D'ailleurs, j'étais censée terminer avant 19h ce live parce que j'ai une méditation avec sa formation. Mais j'ai pas envie de vous laisser parce que finalement, j'ai trop de choses à vous raconter. Il y a des questions, donc tant pis si je loupe la première méditation. Je la ferai en replay. Mais on verra si au niveau du timing. Donc j'ai fait un coaching individuel avec Anne-Claire Méret qui est ma coach et qui je fais une formation donc là dès demain, dès ce soir, dès demain. Et ça m'a vraiment aidée en fait à me canaliser parce que quand on commence, on a plein de choses à faire et donc c'est un gros brouhaha dans la tête et c'est pas évident de prioriser. Et le fait d'avoir quelqu'un qui m'accompagnait, même si on parlait pas forcément d'organisation sous forme de to-do list, pas du tout vu que c'est du coaching, ça m'a aidée à me structurer en fait. Donc ça j'ai beaucoup aimé, je pense que ça m'a énormément aidée à me développer. Mais ce que j'ai fait moi, et c'est pas obligatoire, hein, mais beaucoup font ça et je comprends pourquoi parce que moi j'en ai eu besoin aussi. J'ai fait mon site internet en premier et j'ai cherché un cabinet aussi. Pour moi, il me fallait ces deux choses-là pour commencer. Ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je me sentais plus à l'aise d'avoir comme des choses un peu pro, un peu carrées devant moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai bien sûr fait les démarches pour ouvrir mon auto-entreprise. Mais ça, c'est très rapide. Voilà. Et après, ça s'est construit au fur et à mesure.
À combien s'élèvent les frais à reverser pour donner un ordre d'idée? Alors, si tu parles des charges sociales, c'est 22% de ton chiffre d'affaires en temps normal et la première année, les 4 premiers trimestres, selon la configuration. Quand tu es au chômage ou quand tu as moins de 26 ans, bref, il y a quelques critères comme ça, tu peux avoir droit à ce qu'on appelle l'ACRE qui divise par deux pendant 4 trimestres tes charges. Donc, moi, sur toute l'année 2021, j'ai payé seulement 11% de charges versus 22% que je paierais en 2022. Il y a aussi 2,2% je crois d'impôts libératoires, donc c'est pas grand-chose, mais ça s'ajoute un petit peu. Et après, il peut y avoir des frais annexes, bah, notamment bah, si tu as un téléphone pro, si tu as un cabinet, si tu as Doctolib. Moi, dans mon cas, avec tous les frais que je paye, donc assurance, cabinet et tout, j'en ai à peu près pour 550 euros par mois. Mais c'est quelque chose qui va changer prochainement, je vous en parle pas maintenant, mais ça va changer pour moi bientôt. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais prendre les questions qu'on m'avait notées lors des précédentes boîtes à questions et auxquelles je n'ai pas répondu pendant le live. Et si vous en avez d'autres, bah, comme vous faites là, bah, ajoutez-les. Comme ça, je pourrai y répondre aussi. Au niveau du statut, donc j'y ai répondu, je suis en micro-entreprise, donc statut auto-entrepreneur qu'on appelait avant. Première question qu'on m'avait posée, ah bah ça j'ai un peu répondu, par quoi as-tu commencé d'un point de vue organisationnel? Donc mon site internet et mon cabinet, mais ce n'est pas obligatoire. Ce que je vous recommande, c'est de penser tout ce, enfin, d'écrire pardon, tout ce que vous avez en tête sur ce que vous devez faire, parce que vous allez avoir envie de contacter les thérapeutes autour de vous, vous allez avoir envie de faire des cartes de visite, de faire des flyers, de faire des animations dans les magasins bio, vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Mais par contre, de tout noter, ça vide un peu la tête et ça laisse de la place. Et une fois que vous avez tout sur papier, c'est un peu ce que je vous racontais avec mes intentions, comment j'ai procédé pour mon bilan et mes objectifs de 2022. Une fois que tout est noté, c'est plus facile de voir ce qui vraiment vous appelle, ce qui est vraiment utile et de découper en petites tâches certains objectifs qui peuvent être un peu vus comme étant une montagne en fait. Donc c'est mon seul conseil, mais si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à me demander plus dans le chat. Ensuite, deuxième question que je trouve toujours très intéressante, à quel moment envisager d'ouvrir un compte Instagram? Alors moi, je l'ai ouvert avant de faire ma formation de naturopathie, puisque je communiquais sur d'autres choses avant d'être à mon compte. Donc j'ai envie de dire, dès maintenant, en fait. Dès que tu... Enfin, moi, je pars vraiment du principe que je partage sur les réseaux sociaux pour que vous évoluiez en même temps que moi, et vous m'avez vu évoluer au fur et à mesure. Donc j'ai toujours partagé ce qui me tenait à cœur sur le moment, et vous me suivez dans mon évolution. Donc j'ai envie de dire que c'est pareil avec un compte Instagram qui a pour but de devenir professionnel par la suite. Avant d'être en formation, partagez sur vos lectures qui vous intéressent, sur vos réflexions, sur vos choix d'école, de formation, etc. Une fois que vous êtes en formation, partagez sur bah, ce que vous apprenez de manière des petits tips, etc. C'est très bien, c'est ce que je fais très bien Charlotte de Holy Tips par exemple, dont je vous parle très souvent, avec qui j'ai fait un live pour les fêtes de fin d'année. Elle est encore en formation et elle partage sur ce qu'elle apprend et c'est super, c'est génial. Donc moi c'est ce que j'ai fait aussi au cours de ma formation et j'ai adoré ça. Et puis au fur et à mesure, vous verrez aussi les gens qui commencent à vous suivre, à se fédérer derrière vous. Et c'est comme ça aussi que vous allez prendre en confiance pour démarrer votre activité par la suite. Donc il n'y a pas de bon moment ou pas. Dès que vous en avez envie, parce qu'il faut en avoir envie, ça ne doit pas être une obligation, lancez-vous et partagez, partagez, partagez. Et vous verrez après quand est-ce que vous professionnalisez tout ça. Mais pour partager, il n'y a pas besoin d'être professionnel de quoi que ce soit. Ah, celle-là aussi, je trouvais intéressante. Comment t'es-tu préparé aux éventuelles attaques? Sur le fait du coup que je me lançais avant d'être certifiée. Alors déjà, j'en ai jamais reçu. J'ai parfois reçu des petites remarques un peu piquantes, et c'était d'ailleurs souvent d'autres naturopathes, parce que souvent les gens vous piquent et vous attaquent sur ce qu'ils aimeraient faire mais qu'ils n'osent pas faire. Ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup, beaucoup, c'est un peu les effets miroirs. Donc j'ai reçu parfois quelques piques, mais c'était jamais méchant. Et donc j'ai jamais reçu d'attaque. Et je m'y suis pas préparée. On va dire que la meilleure préparation, c'est la transparence. Et ça, je voulais répéter maintes fois dans ce live. Si vous êtes transparent avec tout le monde sur le fait que vous êtes encore étudiant, il n'y a pas de problème en fait. Parce que les personnes qui viennent vous voir, elles sont consentantes sur le fait de consulter une étudiante en naturopathie et pas une certifiée. Je dis elle parce que c'est majoritairement des femmes qui viennent me voir. Mais les personnes qui viennent vous voir le sauront. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, c'est vraiment tant que c'est transparent, ça ne regarde que les personnes qui viennent me voir. Si elles, ça leur convient, bah, il n'y a pas de problème. Et si ça déplaît aux autres, c'est eux que ça regarde, parce que peut-être que eux n'ont pas osé se lancer avant, peut-être que eux ont trop peur de le faire, et que du coup, bah, ça les renvoie à leur propre peur, mais ça leur appartient, et c'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute. Après, je suis toujours ouverte pour en discuter, et pour les aider à dépasser ces peurs, si c'est leur volonté, mais je pars plus d'attaque ou quoi, enfin, c'est quand même un milieu assez bienveillant, et si ça avait été le cas, je ne pense pas que ça m'aurait atteinte personnellement, on va dire. Comment combiner cours et cabinet? Ça aussi, j'adore cette question parce que vous allez être déçus de ma réponse, parce que je l'ai très mal gérée. En fait,
on se dit toujours que quand on aura du temps, on pourra bah, justement pleinement réviser. Et donc moi, sur les derniers mois où je travaillais à Naturalia, j'ai pas trop révisé, même si c'était ma dernière année, parce que je me disais, bah, bientôt, j'aurai tout le temps nécessaire, parce que bah, je travaillerai plus, enfin, je travaillerai plus, je serai à mon lancement d'activité, mais j'aurai plein de temps, donc je vais pouvoir réviser, mais je serai la meilleure, quoi. Et c'est l'année où j'ai le moins révisé, mais vraiment, j'ai encore des cours que je n'ai pas imprimés, que je n'ai pas relus, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai été plutôt studieuse en première année, plutôt studieuse aussi en deuxième, parce que je savais que je voulais bientôt me lancer et tout, mais en troisième année, c'est l'année où j'ai le plus de temps, où j'ai le moins révisé du monde, vraiment. Donc je pourrais pas vous donner de bons conseils par rapport à ça, parce que ça va dépendre de vous. Il y a des personnes qui vont être hyper studieuses et au contraire, qui vont profiter pour se faire des plannings de révision et tout. Moi, j'étais tellement focalisée développement de mon activité que c'était ça qui primait et que je n'avais pas le temps, en tout cas, je ne prenais pas le temps pour réviser. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait un peu stresser pour mes examens parce que du coup, j'ai pas révisé pour mes examens. Et ça a été un peu la grosse. Mais d'un côté, je me sentais prête aussi. Il y avait quelque chose en moi où, si jamais je me sentais à côté de la plaque, j'aurais révisé, puis j'aurais pas pu développer mon activité de toute façon. Parce qu'il fallait se sentir prête et avec des épaules assez solides en tant que naturo pour faire mes consultations. Donc je pense que si j'avais eu un besoin, j'aurais révisé. Donc c'est ça qui est rassurant. Et justement, pour mes examens, j'arrivais pas du tout à mettre à réviser. Pour ceux qui ont suivi, j'ai vécu aussi un drame personnel pile 2 semaines avant mes examens. Et ça aurait pu avoir des grosses conséquences. Mais. J'ai passé mes examens haut la main, autant l'écrit que l'oral. Je suis même arrivée major de promotion et j'en suis très fière, alors que j'ai pas du tout révisé. Mais dans un sens, j'ai eu la meilleure des révisions parce que bah, la pratique, il n'y a que ça de mieux en fait. Toutes les consultations que j'ai fait au cabinet, ça a été les meilleures révisions du monde. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu d'aussi bonnes notes. Et c'est ça aussi qui a où le jury m'a félicité pendant mon oral parce que ils ont eu affaire à une naturopathe et pas à une étudiante qui passait son examen. Et ça, ils me l'ont dit et ça a été le meilleur des cadeaux. Et c'est pour ça que. Je fais ce live aussi pour vous encourager si vous vous sentez prêt à vous lancer avant la fin de votre formation parce que c'est la meilleure des révisions en fait. Et je sais que beaucoup de personnes flippaient de cet oral parce que il y a un écrit mais c'est vraiment l'oral qui compte le plus au niveau des coefficients. Et beaucoup de personnes dans ma promo flippaient parce qu'ils avaient eu peu l'occasion de pratiquer sur des vraies consultations et tout. Donc ils étaient géniaux, ils avaient énormément de connaissances mais ils avaient très peu consulté. Du coup c'était plus difficile pour eux par exemple. Donc vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux avoir à vous donner. Consultez, consultez, consultez dès que vous vous sentez prêt. Si vous voulez pas lancer votre activité, faites-le au moins beaucoup avec vos proches. Mais ça a été la meilleure des révisions pour moi et la preuve, ça a payé. Je vous cache pas qu'il y a toujours une part de, il y avait toujours une part de moi avant qui flippait de me dire, imagine, tu t'es lancé avant d'avoir ton certificat et tu rates tes examens. Mais trop la honte quoi. J'aurais été morte de honte devant vous. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait ce live avant, parce que je voulais quand même être certaine de pouvoir vous dire des choses sensées en fait. Parce que là je peux vous faire ce live-là en tout le monde, hein, on est d'accord. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai très très mal géré l'association formation et lancement d'activité parce que j'ai clairement priorisé mon activité, mais que ça a eu des conséquences très bénéfiques sur mes révisions d'une manière plus subtile, on va dire. Le nécessaire à avoir dans son bureau en tant que naturopathe. Je pourrais vous faire un tour de mon bureau, mais honnêtement, je ne travaille plus dessus depuis plusieurs mois. Je suis tout le temps dans mon canapé ici. D'ailleurs, ça me crée des problèmes de dos atroces parce que bah, c'est pas une position confortable et physiologique pour travailler. Mais il faut que je range mon bureau pour me remettre dessus pour mon dos. Après, bah, ordinateur. Moi, je travaille qu'avec un ordinateur, du papier de brouillon. Des pochettes pour mettre les dossiers de tes patients, tes clients si t'écris à la main comme moi, des stylos, graffeuses, post-it, pas de gros nécessaires. Si on parle plus de naturopathie en tant que telle, j'avais une loupe, enfin j'ai une loupe d'irido, mais c'est quelque chose que je ne pratique pas. Donc je l'ai acheté parce que je l'ai acheté. J'ai du matériel d'auriculo, de réflexo, de massage, mais ça dépend de ce que toi tu pratiques en cabinet ou pas. Sinon, rien de particulier. Une technique pour s'entraîner sur les tempéraments, constitution, s'entraîner juste et le faire en groupe pour que chacun puisse donner son avis. Nous, on s'envoyait beaucoup de photos de mains, d'yeux pour les rideaux et tout sur notre groupe de promo pour confirmer ou infirmer ce qu'on pensait et ça pouvait être aidant. Alors, je termine les questions et je réponds après à ton sujet pour le mémoire. Bah non. Ah non, c'est bon, il n'y a plus de questions, j'y avais déjà répondu en cours. Donc, quel est ton sujet de mémoire? Alors, j'attends qu'il soit validé, parce que je voulais faire sur l'addiction au sucre, mais plus je me renseigne sur l'addiction au sucre, et moins ce thème me plaît, parce que je me rends compte que le problème n'est pas le sucre en tant que tel, mais le comportement alimentaire qu'il y a derrière. Et en plus, c'est comme ça que je travaille dans mon accompagnement Déli Sucre, donc ça n'aurait pas été pertinent en fait pour moi.
Et du coup, j'ai envie de faire un mémoire sur comment comprendre son comportement alimentaire et comprendre les enjeux que certaines réflexions, certaines remarques, la naturopathie aussi, par les restrictions qu'elle peut imposer, peuvent avoir sur le comportement alimentaire. Donc j'attends que mon sujet soit validé avant de me lancer pleinement dedans. Oui, tu as bien fait, rien de mieux que la pratique. Si tu es assidue au cours et attentive, les révisions ne sont pas toujours nécessaires. Oui, exactement. Et aussi, comme je vous le dis, le cursus de la formation au Sénato est très bien fait parce qu'on voit les bases au début. Donc il y avait besoin d'apprendre et de réviser beaucoup au début, mais finalement, après, c'était de la compréhension, je sais pas comment dire, mais je n'apprenais pas réellement de nouvelles choses en troisième année. Ça n'apportait que de la compréhension à certains domaines, à certaines stratégies, mais c'était pas de l'apprentissage en fait. Je n'apprenais rien de zéro à ce moment-là. C'était juste de l'enrichissement en fait. Merci Patricia. Merci. J'ai terminé moi toutes les questions que j'avais de mon côté. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a d'autres choses que vous vouliez me soumettre avant que je puisse clôturer ce live. On aura bien popoté pendant 1 heure. C'était super chouette. Je suis vraiment contente de vos échanges, que vous soyez bien présents aussi et actifs. Es-tu satisfaite du salaire que tu te verses pour un début? Non, clairement non, parce que j'avais un objectif de faire 2500 euros de chiffre d'affaires, donc ça ne correspond pas au salaire que je me verse, mais en tout cas au niveau de chiffre d'affaires, en fin d'année 2021, ça n'a pas été le cas, donc c'est mon objectif pour cette année-là. Mais je suis quand même plutôt fière des revenus que j'ai réussi à générer. Pour ça, je t'invite à aller voir ma vidéo bilan de 2021 et mes intentions pour 2022, parce que tu auras des informations plus chiffrées sur mon chiffre d'affaires et tout ça. Mais je trouve ça vraiment assez extraordinaire de réussir à faire plus de 1000 euros de chiffre d'affaires de mes propres mains, presque, on va dire. Enfin, c'est moi qui initie ça, c'est pas un chèque qui tombe, enfin, un versement qui tombe à la fin de chaque mois, comme quand on est salarié. Donc, pour un début, je trouve ça très encourageant, très positif. Mais ce n'est pas suffisant pour en vivre. Heureusement que j'ai le chômage à côté, sinon ça aurait été plus compliqué. Oui, c'est plus vaste sur le comportement alimentaire. Il y a énormément de troubles, pas que l'addiction au sucre. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est surtout que je me rends compte que l'addiction au sucre, c'est plus un terme, une étiquette où les gens vont se reconnaître dedans. Mais finalement, toutes les personnes atteintes de compulsion alimentaire, quelle qu'elle soit, ou d'un comportement alimentaire troublé, on retrouve les mêmes choses. C'est juste en fait un point d'entente pour savoir de quoi on parle. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est passionnant. Et plus je m'aventure dedans, et plus je trouve ça passionnant. Donc, d'écrire là-dessus, ce serait vraiment génial. Merci beaucoup. Merci. Je suis contente si ça vous a plu. Merci infiniment. Je reste encore 2 petites secondes, voir s'il y a une question qui arrive, vu qu'il y a toujours un décalage avec le live. Mais sinon, je vais pouvoir clôturer maintenant. On peut féliciter ma petite Lou qui a été super sage. Hein. Ah là là. Merci pour toutes ces infos. Je rentre en avril au Sénato de Toulouse. Super. Génial. Tu vas adorer. Alors je connais pas les profs parce que c'est pas les mêmes qu'à Paris, mais bravo, génial. As-tu un nom de formation DIF pour s'installer à son compte? Alors, DIF, non, par contre, je vous parle très très souvent de la micropreneur académique qu'a créée Mylène Faure, que moi j'ai faite aussi, je vous en ai pas parlé, mais j'aurais pu. Je pourrais vous faire un autre live plus sur comment j'ai lancé mon activité en tant que telle et pas juste sur le côté formation, en cours de formation, parce que c'est deux aspects différents et ça aurait été trop long sinon. Mais j'ai fait la micropreneur académique de Mylène Faure et sa formation est prise en charge par le CPF. Et du coup, elle fait des rentrées, là, je crois que la prochaine sera en avril. En avril, au printemps, en tout cas au printemps 2022. Donc n'hésite pas à te tenir au courant pour ça, parce que c'est d'une grosse utilité d'un point de vue administratif. Moi, ça me faisait très très peur et ça m'a aussi énormément aidé à m'organiser d'un point de vue comptabilité, etc. Je vous en parlerai, je ferai des vidéos là-dessus d'ailleurs sur comment je m'organise financièrement et tout pour tout gérer. Mais si toi tu as des besoins là-dessus, c'est vraiment la formation que je te recommande. Et sinon, j'en ai pas d'autres en tête, mais si vous en avez, vous pouvez partager autour. Delphine, coucou Manon, pas de questions. Juste pour te dire que tu es une super naturopathe. Merci beaucoup Delphine. Pareil, j'ai la chance d'accompagner cette femme. Ou pardon, d'accompagner cette femme en naturopathie. Et j'adore nos échanges parce que ça résonne beaucoup avec moi aussi. Donc j'adore. Merci beaucoup Patricia. Ce serait génial si tu te lançais un jour. Mais je sais que tu as aussi un métier qui te plaît beaucoup. Et merci pour ma petite Lou.
Merci beaucoup à, j'ai envie de dire à toutes, parce que j'ai cru voir quasiment que des femmes par ici, mais merci à toutes et à tous aussi pour le replay. J'espère que le replay va fonctionner. J'ai adoré passer ce moment avec vous. C'est un sujet qui me passionne. Si je pouvais aider toutes les personnes à se reconvertir, je le ferais. Donc c'est vraiment un moment hyper agréable pour moi de partager avec vous. Et j'ai plein d'autres sujets de live un peu dans cette thématique-là que je pourrais vous proposer. N'hésitez pas dans les commentaires à me les suggérer aussi, parce que bah, si ça part de vos besoins, c'est quand même plus intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre vos recommandations de live sur cette thématique entrepreneuriale dans les commentaires. Et à autre chose, Patricia, bah, tu me diras ça, moi je suis curieuse de savoir. Hein. Mais en tout cas, donc voilà, dites-moi tout ça. Merci beaucoup pour votre participation et je vous dis bah, très bientôt de toute façon en story, en post, sur YouTube, au quotidien comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Passez une belle soirée.